Il m'en a tiré par le plume. Ouais, c'est ça. Il m'en a tiré par le plume. Le cabaret d'Albert, la technique, c'est pas dénouer. Il y a un quart d'heure. Je vais passer un quart d'heure de temps à lui expliquer à quel moment il devait envoyer le jingle. Mais c'était le garçon. Il me l'envoie encore juste 10 minutes avant. Mais il y avait un jeune qui était avec lui, apparemment. C'était la première fois aussi, lui, là. Il essayait d'apprendre. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il après, j'en répète. Ouais, mais c'est qu'il m'a lancé, mais toi, tu te baisses, quoi. Tu fais ça. Albert, il était cool, il me dit, t'as comment, vraiment pensé comme moi, quoi. Ce qui est bien, c'est que je mets le micro alors que j'ai un autre t-shirt qui vient au-dessus. Ça sera déjà fini, il n'y aura plus qu'un. Ben attends, les deux jeunes qui commencent, c'est la première fois, ils passent les premiers. Ça reste assez fini. Oui, ouais, c'est vrai que. J'aime bien passer le premier aussi. C'est plus. Ben ici, on a la Comédie Centrale. Avec mon ami Jérôme. On va tourner la caméra. Hein. Mon pote Rémi et notre ami Benoît Bitoum. Bruno. T'as tout ce que je t'ai pas dit, Benoît. Ouais, c'est que tu m'as répondu. Il y a plein de gens qui disent c'est bébé. Bon, on va couper parce que nous, on va aller jouer le spectacle. Hein. On regardera dans 2 semaines sur l'RTBF. Allez, ciao, ouais.